Et salut à toutes et à tous, on est en live pour une nouvelle session sur God of War 4 et ce soir, ça va être chaud. Pourquoi ? Parce qu'on va aller à Muspelheim, donc la région de Surte, la région où il va faire très très chaud. Paraît-il que certaines personnes se sont cassées les dents là-bas. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez-vous, je switch l'affichage pour que vous puissiez voir les glouglous de Twitch qui vous disent bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, bien entendu. Donc c'est le moment où je les laisse spammer un petit peu. Ils sont en forme ce soir, ils sont en forme. On ressort d'un débat très intéressant. C'était très très sympa, très bonne première partie de live. Bien évidemment, à ceux qui regardent la VOD, vous n'avez pas le talk show. Vous passez tellement à côté d'un moment d'échange intense. Au moins. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion et que vous avez rattrapé votre retard, à venir voir la suite en live. Voilà. Si vous le pouvez, bien évidemment. Ok. Logiquement, ça devrait bientôt être bon. On laisse un petit peu les retardataires pour vous dire bonjour. Il y a Dieu qui vous fait des coucous. Et il y a Mélodie qui a un autre poudi. Quel est donc ce poudi ? Bonjour, moi du futur. Allez hop, on switch, on y va. Ça y est, c'est fini. Si vous n'avez pas dit bonjour aux gens de YouTube, eh bien c'est trop tard. On est bon. Allez, continuez. Et direction Muspelheim. Où on s'était arrêté à la fin? Ah, on est encore à Alfheim? Non, ah, oui, à Alfheim, je crois. On est peut-être encore à Alfheim. Et Mathieu qui nous dit Glouglou président, merci beaucoup, des bisous. Merci à toi. Je crois qu'on était devant les frères. Forgeron, c'est ça que je cherchais. Et qu'on doit être encore à Alpha, mais on va pouvoir switcher sur Muspelheim directement. Allez, on y va. Si un jour ça charge, bien évidemment, faut que j'appuie sur un bouton. Non, c'est encore en train de charger. Très bien, on va attendre. Ça y est, c'est bon. Hop, bon, logiquement, on n'a rien d'autre à faire. On peut y aller. Découvrons un nouvel endroit. Donc on n'y a jamais été. On a tous les pouvoirs. Je détiens la force toute puissante. Non, rien à voir. Et on va donc pouvoir logiquement faire à 100% Muspelheim. Et Jean-Bobois qui offre un sub à Mélodie. Ah là là, Mélodie qui pourra utiliser les vrais poudis. Oh, il n'y a pas vraiment de vrais poudis. Merci à toi, Jean-Bobois, et bienvenue à Mélodie. Et bim, merci beaucoup. C'est le 7e abonnement que tu offres sur cette chaîne, Jean-Bobois, quand même. Hein. Tu es un fou. Elheim. Alors, comme d'habitude, je vais tourner dans le mauvais sens. Bon, ça ira. Ça ira. Allons dans le royaume. Kratos versus Musclor. Ah, c'est pas évident, ça. Mais moi, à chaque fois que je pense à Musclor, j'ai l'air dans la tête, quoi. Amen. N'empêche, je comprenais pas, moi, ce qu'ils disaient quand j'étais petit, hein. Amen. En fait, ils disent le nom de Musclor, parce que Musclor, en VO, c'est Amen. Salut, Clément, fan de Kingdom Hearts, peut-être. Le petit temps de chargement caché. Mais quelle classe. Ouais, moi je croyais qu'ils disaient Imen. Enfin, pas quand j'étais petit parce que je savais pas ce que c'était, Imen. Mais après je me suis dit, mais pourquoi ils disent Imen? Tu as vu la série Musclor de 2000? Non, j'ai vu le film avec Dolph Lundgren. Par contre, je peux pas ouvrir. Attends, je suis où? Ah, ça y est, je peux. Grand moment de cinéma, le film avec Dolph Lundgren. Si vous l'avez pas vu. Ah là là, Clément. Ça va jusqu'au tatouage. Voilà, c'est les mêmes. Alors, est-ce qu'il nous parle? Oui, attends, il y a un dialogue. Tu dois aimer la chaleur, Brock. Ah, j'avais plus ma hache, apparemment. La chaleur est indispensable dans ma branche. Elle aide même à plier l'espace. Ces portes magiques que vous aimez tant ici, elles mènent toutes les unes aux autres. Parole de Brock. Allez-y et essayez, vous verrez. Traverser Muspel est une vraie promenade de santé. Si vous finissez par rôti. D'accord, bon, on va voir ça. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas un autre dialogue qui pop. Apparemment, non. Ok. Et bah, c'est parti. Nouveaux ennemis. Waouh! Il fait chaud ici. Mais est-ce que c'est de la neige?
Des cendres. Comme seuls en produisent les grands feux. Eh bien, c'est censé être le plus grand de tous les feux, non? Muspelheim, l'ancien royaume de flammes. Mère, t'en a-t-elle parlé? Juste un peu. Est-ce que marcher sur les flammes, en fait, ça fait mal? Il n'y a pas beaucoup d'histoires qui se déroulent dans les flammes. Sauf entre les géants de feu, j'imagine. Ça fait vraiment Mais pas mal. Mais ils sont pas très bavards. Et on n'en a pas vu depuis une éternité. Non. Je me demande ce qu'est le gantelet de Surt. Comment? C'est ce que les runes disaient qu'on trouverait ici. On cherchera. Ok, donc là on a deux passages vers le bas. Ici c'est bloqué. Il n'y a rien dedans. Alors on voit pas de petit oiseau. On va aller voir ce qu'il y a en bas ici. Un loot. C'est tout? Juste un loot. Alors est-ce qu'il y a un petit oiseau dedans quelque part? Apparemment non. Je compte sur vous. Hein. Si vous voyez des choses que je ne vois pas, vous pouvez me spammer. Hop. Oui, vu que... Je pense que je suis en surlevel, hein, vu que... J'aurais pu le faire bien avant. Du coup, ça devrait bien se passer. Alors, j'ai pas l'impression de voir quoi que ce soit. Pour l'instant, il y a eu un loot. C'est tout ce qu'il y a eu. J'entends pas d'oiseaux, mais des fois, on les entend pas. Donc, c'est un peu relou. Il n'y a pas d'ennemis. Bon, bah, ça a l'air sympa comme endroit. Hein. J'irai pas passer mes vacances, mais... J'ai regardé là-bas. Pas d'oiseau. Bon. Ah, il y a pas de vase. Ah, c'est hyper louche ça. Toujours pas d'ennemis. Bon, c'est quoi cet endroit? Il y a personne. Toujours rien. Il y a rien. C'est peut-être après cette porte. Hein. Ça, c'était l'entrée. L'entrée, c'est peut-être un peu safe. Puis derrière, c'est pas safe. Là, on voit rien du tout. Pas d'oiseaux. Non, je veux pas passer en défi. Ça me va très bien comme ça. Bon, je pense que ça devrait commencer à pop bientôt, là. Pas d'oiseaux en bas. Bon, on va continuer d'avancer. Ah, ça y est. Ah bah non, c'est un nouveau forgeron. Ah bah c'était bien, dis donc. On débloque. Il n'y a pas eu de la petite animation, un truc pour dire qu'on a débloqué un endroit. Ça fait peur à chaque fois. Regarde là, un autre. Alors. Celui-ci s'appelle Surt. Ça doit être un géant de feu. Oui, le tout premier même. Il fabrique une épée enflammée. Une arme de légende. Ça s'appelle il comment? Il se bat contre Thor et Odin. Mais est-ce que c'est le passé ou le futur? Disons que c'est une histoire de perspective. Ok, 10 sur 11. Plus qu'une fresque, on aura trouvé toutes les fresques. Bon, on va dire que ça a débloqué le TP, qu'on est bon. On vient de là-bas. Pas d'oiseaux, pas de dialogue. On va regarder vite fait là-dedans s'il y a quelque chose. Oula! Une musique pas du tout rassurante vient de pointer le bout de son nez. Ah, on peut grimper ici. Ou alors... Ah, de toute façon, j'ai pas le choix. Non, il n'y avait pas un passage. Ah bah non, j'ai pas le choix. Très bien. Bon, on va grimper ici alors, s'il n'y a pas le choix. Bah, je sais pas, il n'y a peut-être pas d'ennemis. Hein. J'entends une voix. Encore un elfe? Je crois pas. Ça vient de là-haut. Ce qui est bien, c'est que là, il y a zéro risque. Il n'y a pas une petite goutte de lave qui va l'éclabousser. Il n'y a pas. Il n'y a aucun problème. Un coffre. Et bien, cet endroit, il y a des loups. Braise ardente. Ah, mais oui, c'est vrai qu'ici, on va pouvoir crafter une armure. Pas d'oiseaux. C'est par où la suite? C'est par là-bas. Allez, descend. Nickel. Ok. On recherche des ennemis.
Là, là, s'il n'y a pas un ennemi ici. Elle est juste derrière ça. Oh. C'est une grande épée. Elle demande si on veut s'entraîner. Ah, ça a l'air bien, dis donc. On va s'entraîner. Mais avant, on va regarder s'il n'y a pas un petit oiseau. Il n'y a pas des petits oiseaux ? Il n'y a peut-être pas d'oiseaux ici. Hein. Il fait un petit peu trop chaud pour le petit oiseau. On peut pas aller par là. Là, il n'y a rien. Bon, bah, on va aller dire oui à l'épée. Hein. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Ça, ça veut dire... Est-ce que tu veux que je fasse pop des ennemis, je sens. Alors, terminer l'épreuve pour déverrouiller l'arène suivante. Appuyez sur X pour accepter le défi. Appuyez sur O pour refuser. Appuyez sur on va s'échauffer. On sait quoi, s'échauffer. Ah, c'est level 6 quand même, hein. C'est pas si bas level que ça. Ah, il tombe dans le trou. Ah, c'est level 8. Ah, mais je suis pas du tout en surlevel. Et bim. Ah, il est pas mort. Voilà. Ah, ça continue d'arriver. Mourir toi. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Tu triches. Il y en a d'autres? Ça continue d'arriver. Hop. Ah non. Mais non, j'ai fait une roulade. J'ai fait une roulade sur place, je me suis planté. Pourquoi mon skill il est déjà rechargé? Mais qu'est-ce qui se passe avec mes skills? Vous avez vu la vitesse à laquelle il recharge? Mais c'est quoi ce... Qu'est-ce qui se passe? Mais what? J'avais pas vu. On est bien. Ah, je suis invincible, les cooldowns infinis. Ah, mais il est bien cet endroit. Allez, venez. Ah, j'ai raté. Ah oui, il y a deux lignes de texte en bas. Oui, mais je les vois pas, moi. Ah, retourner à l'épée. Ah, mais ça fait des loots en plus, cette action. Bah, ça défoule, hein, c'est bien. Faut faire ça longtemps. Hein. C'est sympa. Moi j'aime bien. Encore. Encore. D'autres de ce côté. Bon allez. Ah, puis ça file de l'XP en plus. Oh, c'était bien. C'est... Attends, on va ramasser bon moment. Je suis déjà full, ça c'est de la rage, je suis full. C'est de la vie, je suis full. Ah, non mais c'est tout. Ah, mais c'est le problème d'avoir un grand écran et d'avoir plusieurs écrans. Il y a plein de trucs, je les lis pas. Alors les deux lignes en bas, je savais même pas qu'elles existaient, quoi. On y va.
Appuyez sur X pour accepter le défi. La porte est fermée. Prépare-toi, Atreus. Oui, père. Sur ta droite, il y en a d'autres. Laquelle de droite? Oh, level 3. C'est quoi ces ennemis? Il y en a plus. Ah, c'est... ah, ils ont l'air énervés, eux. Eux, ils ont l'air énervés. Vous croyez que je les touche, là? Ah oui. Je peux pas y aller. Vas-y, Atreus. Non, mais level 2, quoi. Vous êtes sérieux, level 2? D'autres derrière toi, frère. Allez, ça se passe bien. Ok, plus qu'un. C'était bien. C'était pas très très intense quand même. Vous n'aimeriez pas qu'on trouve de l'encens juste une fois? On se lasse vite de l'odeur du soufre. Non mais je vais pas utiliser les loups pour ça, jambes en bois. Non oui, je l'ai vu le timer, mais j'étais large. J'étais très très large. Ah, la revoilà. Ça va être ça tout le long, Muspelheim. Je débloque pas des chemins? Si, il y a des chemins là-bas. Je pense qu'il faut que je continue. Elle dit qu'il y a un autre niveau au défi. Ah bah go. Ah. Enchaîner les éliminations, difficile. Tiens-toi prêt. Toujours. D'autres derrière toi. Pardon, je suis pas prêt. Bosse bien. Attends, il... Ah. Non, c'est bon. C'est bon, Atreus. Et un grand merci à Rob Robin. Attends. Oh, j'ai raté. C'est bon. On est bon. Merci Rob Robin qui sera bonne pour la 6ème fois. Les bisous et bim. Et bim le resub, ils sont où? C'est quoi ça? Oula. Oh ta pop, t'étais invisible. Allez, viens. On y va. Allez, viens, je t'emmène au vent. Ah, oh, il est trop loin. Ça a l'air bien. Ennemi récalcitrant en vie. Et bim! Et rebim! Et bim! Et bim! Et rebim! Ah mince, j'ai tué trop vite! Vague terminée, restez concentré. Je suis hyper concentré. Oh non, ça c'est chiant ça. En parlant de loups, tu veux des loups? Tiens. Vas-y Atreus, c'est ton tour. Et bim. Sur quoi là? Encore?
Qu'est-ce qui reste en vie? Attends, mais c'est relou. Faut éliminer la vague, faut y tuer les deux en même temps. Ah mais là, il y en a trois maintenant. Oh non! Allez, vite, tue-le. Il y en a encore un en vie. Vite, tue-le. Tue-le avant qu'il repop. C'est bon. Ouf. Tout va bien. Et nous avons Xoltras qui se réabonne pour la 9e fois. 9 mois, ça fait un bébé glouglou. Et oui, et les bisous et bim. Et bim le awesome, merci. Non mais j'avais compris qu'il fallait qu'il meure en même temps. Mais moi je faisais la technique de appuie sur les boutons, soit bourrin. Oh, les portes elles sont ouvertes. Ça c'est d'où je viens, c'est ça? Ça doit être ça. Donc je vais pouvoir avancer. Attends, c'est quoi ce bruit? Ah, c'est mon skill qui revient. Nécessaire de jouer aux 3 premiers pour apprécier le 4. Alors vu que j'ai pas joué aux 3 premiers et que je m'éclate comme un malade, par contre j'ai regardé des résumés des 3 premiers avant de faire le 4. Pour pas être trop largué. Vous croyez que ça fait mal ça? Non, c'est pas mal. Mais peut-être jamais d'ennemis, hein, c'est peut-être que des défis. Hein. Donc, personne ne vit ici. Mais on se demande pourquoi. Seul un géant de feu pourrait vivre ici. Et selon la prophétie, nous n'en verrons aucun avant le Ragnarok. Alors. Pas de petit oiseau. Pas de petit oiseau. Il y a des corbeaux ici ou pas? Donc une nouvelle porte pour se téléporter. Carte mise à jour, nouveau lieu trouvé, de nouveaux défis. Il y a une autre épée. Non, pas de corbeau. Ah bah, je vais arrêter de chercher les corbeaux alors. Ah là, il va y avoir un truc en plein milieu, mais ça peut peut-être permettre de balancer les ennemis. Ça peut être cool. Allez, bah, let's go. Hein. Hop. NPC Kaodin lui montre son petit oiseau. Exactement. Merci pour le replay, Pillars of Eternity 2, j'ai passé les moments histoire, mais ce fut agréable quand même, d'accord. Tu as fini le jeu? Non, 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 j'ai pas fini encore. Je pense que tu vas galérer vers la fin du royaume, tant mieux. Et voilà. Je suis prêt. Regarde, il court. Regarde là. Vas-y, tu veux parcourir? Il explose, hein, faut faire attention. Bon, on va rester là. Hein. Vas-y. Non, je voulais juste une fois. Vas-y, Atreus. T'es le meilleur, Atreus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah oui, il s'est fait. C'est le moment épique, intense. Ah bah voilà. Attends, il y en a un qui est là-bas, je sais pas ce qu'il fait. Ah oui. Ah bah voilà. Ah bah bravo. Non, je vais pas faire ça. Ah bah voilà, ça boum. Ah bah ça fait boum. Dis donc. On est bien. Oh, il y en a un derrière. Il a voulu m'avoir. Il est où? Il est où? Je veux dire comme ça? Ah, ça vient des deux côtés maintenant. C'est bon. Oh mais non! Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille. C'est fait. Allez, faut tenir 3 minutes encore. Attends, on va pas se prendre l'explosion, tout va bien.
Il a plus de tête. Cacahuète. Ah, je prendrais bien cette pierre de rage. Ah mais j'ai pas assez de rage. Ça m'a l'air bien. Et c'est le jump. Ah non, j'ai raté. Je suis déçu. Oh. On est bien. Allez, 1 minute 50 à tenir. Le suspense est... est total, bien évidemment. Hop, il s'est pas volé. Oh non! C'est quoi ces dégâts? Ça vient d'où? Oh non! J'avais oublié. Toujours pas un Kinder Surprise. Attends. Allez, 1 minute. Oh, il a explosé. Il n'y a plus personne. Ils font grève. Non mais ça doit être super dur au level 3 quoi. Oh là là, c'était beau. Ah, oh, c'était beau. Et on le saute. Ah non, il m'a coupé dans mon saut. Mais non, va-t'en, reste pas dans les explosions. Ça se passe bien. Va-t'en. Il est où? C'était bien. C'est sympa. Salut Crane, excuse-moi, je peux pas rester. J'ai des invités à la maison, ça marche, Anat. Je passe juste dire bonjour, désolé. Oui. D'accord, ça marche, Anat, tu m'expliqueras pourquoi. C'est sympa. Level 5, ça commence à être un peu plus tendu. Hein. Enfin, c'était pas tendu là. Mais je veux dire, je vais commencer à prendre des dégâts, donc il y a peut-être un moment où il faudra faire un peu gaffe. Par contre, c'est chiant les trucs, faut tenir 5 minutes. C'est un peu long. Allez, viens. Ça commence. Allons-y. Faut faire quoi, là? C'est moi ou t'es en glace? What? Ah, d'accord. On va leur faire ça. Non, mais amuse-toi là, il n'était pas en glace. Pardon, je suis pas prêt. On va leur remplir les barres. Mettez dans la... Mettez dans le feu. Attends, moi je sais ce qu'on va faire. On va faire ça. Allez. Ah bah t'as plus de tête hein. Ils sont où?
Allez, nous aussi, ils vont régénérer. Ah, mais j'ai plus d'attaque spéciale, du coup. C'est nul. Oh non, pas faire mal au petit loup, regardez pas. Regardez pas. Allez, moi aussi, lui. Les ennemis. Regardez pas. Faut pas regarder. Non, j'ai plus fait. Vas-y. Oh, 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 VC Sparta, VC Sparta. Oh non, il est déjà tombé. Oh, bim. Ah non, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Bon, vas-y, on s'en fout de la rage. C'est bon. Voilà. Allez, regarde, 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 regarde. Et bim. Et bim. Oh, ils sont où les ennemis? Attends, j'arrive. J'arrive, Superman Punch. Ouais, bon, c'était super bouclier punch. Ah, je voulais pas faire ça, pardon. J'ai pas fait exprès, les gars. On voit rien. Viens. Allez, viens. 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 Tu fais quoi? Tiens. Allez, hop, part. Bim. Non, attends. Bim. Attends. Bim. Voilà. Ok, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je me suis planté. C'est ça que je voulais faire. Bah voilà. Est-ce qu'il y en a de nouveau derrière? Ah oui, attends, non. Je suis trompé. T'es où, t'es où, t'es où? Attends, j'arrive, 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 j'arrive. Bouge pas. Bim. Par contre, au point, c'est un peu plus embêtant. Qu'est-ce que tu fais? Genre, tu m'as touché? Attends, 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 attends. Voilà, c'est bon. T'as plus d'amis? C'est le dernier? Y'a plus personne. Qu'est-ce qu'ils font les ennemis? C'est quoi ce défi? Ce défi tout mou? Ils sont partis à ce bar, oui. Ah bah c'est fini. Ah dis donc. Il y a d'autres loot que j'ai loupé. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on a gagné? Encore des braises ardentes et de l'argent. Et du coup, il n'y a plus d'épée. Ça c'est ouvert. Ah si, il y a un loot là-bas. Salut Badge Leader. Salut Zafarin. Je passe juste faire un bonjour en live et je repars avant de me spoil, ça marche. Tu leur as donné la nationalité spartiate. Bon, elle est où la Valkyrie qu'on galère? Bon, apparemment il y a deux passages. Bon là c'est juste pour un loot. On prend
Rien de spécial en hauteur. Bon, je vais reprendre ma hache quand même, on sait jamais. Et là, on monte. J'ai même pas vu ce que j'ai looté. J'ai looté quoi? Hop. J'arrive pas d'avaler des sangs. Je veux juste voir un peu. Imagine-toi les aspirer par ta gorge tranchée. Je peux pas. Il y a qu'un seul chemin. Là, on grimpe. Là, pareil, un seul chemin. Un seul chemin. Il n'y a rien de l'autre côté, non. On fait le tour. Et on grimpe. Oh, wow. C'est une cascade de lave. Une chute de lave. Oui, et ce n'est pas du tout terrifiant, pas vrai? Absolument pas. Alors, 500 argent. Ah, c'était génial, dis donc. Meilleur loot de l'univers. Comme c'est encore étonnant. J'espère qu'il n'y en a pas 5000, hein, parce que... Moi, c'est pas, les... c'est pas les combats comme ça qui m'éclatent le plus. J'aime bien, mais pas non-stop pendant tout un monde. Bon, enfin... On va y aller. Si on pêchait avec la tête de Mimi. Il y en a 6. Oh là 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 là. 6. Prêt. Oh, désolé, c'est noir. Oh non, vas-y, je me suis pris. Attends, moi c'est le moment de faire ça. Oh, je l'ai repris. Oh, vas-y. Ah, l'élite est invulnérable. C'est lui l'élite. Mais non. Oh non, vas-y, je vais le reprendre. Donne-moi de la rage. Oh non! Cette musique classe. Vas-y, si, je vais le reprendre. Oh là là! Ah, il est plus vulnérable, fais-moi le malin! Hein. Oh non, je vais me le reprendre! Non, c'est bon. Est-ce que Vizy Spark, ça marche pas sur eux, hein? Ah non. Ah, il est invulnérable. Fais tout noir. Puissant. Puissant. Il y en a un là. Oh non! Ah non! Projectile sur la gauche! Mais je vois rien! C'est chiant! Je l'ai fait au pif! Bon, c'est l'heure des loups, hein! Il est encore en vie, l'autre? Il est où? C'est chiant! Un secours! Yann, là, je vois rien! Je sais pas où j'habite. Là-bas. Oh mais c'est une saleté de... Ah, tu m'étonnes que j'arrivais pas à la tuer quoi. Oh, il y en a d'autres qui peuvent. Aïe. Bon, vous arrivez. Allez, viens.
Allez, faut le finir maintenant. Il y en a encore un ? Oh ! Oh, il y a encore un aile ! Non, 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 non ! Non, il va faire repopper des alliés. Oui. C'est hyper fun. C'est hyper fun. Heureusement que le gamin fait le taf à ma place. Bah c'est moi qui lui donne des ordres très précis. Ah, il y a qu'un. Ah non, il y a plusieurs défis. J'étais content, la épée elle avait pas repop. On va faire le deuxième. Hein. Mais ce problème c'est l'enfer en même temps. Ah non, c'est là il me l'enfer. Vas-y, j'accepte. Quel défi tuer les ennemis à l'intérieur des anneaux dorés. J'attends tes ordres. Il y a un loot là-bas que j'ai pas pris. On a de la compagnie. Allez, venez. Ça, c'est marrant, ça. Allez, ici. Atreus, qu'est-ce que tu fais, Atreus? Atreus, viens ici. Vague terminée. Elfe-noir. Oh, dis donc. Ça va être bien. Oh, bah oui. Vas-y. Dis donc, ça va être le fun. Je sens le fun, là. C'est... Ça va être génial. Ça te dirait de venir ici? Non, sors pas du machin. Il va sortir. Non, c'est bon, il est pas sorti. Oula, voilà. Mais venez dans le machin. Venez dedans. Tu le sors pas du truc. Hein. Non, tu l'as sorti. Tu l'as pas sorti, hein. Il l'a sorti. Il l'a sorti. Allez, 4 sur 5. 4 sur 5, il reste 1 minute 50 pour ce défi du fun absolu. Je vais la voir. C'est bon. Yes. Ah, c'est vrai que je pourrais les attraper avec mes armes, hein. C'est pas bête. Hein. Je pourrais faire ça. Oh, toi, t'es bien, toi. Attends, comment je l'attrape? Ah non, c'était ça pour l'attraper. Oh, le cercle il se déplace! C'est l'arnaque! Tu le sors, tu vas le sortir. Tu vas le sortir, ça va être nul. Non! Mais après, je pense que. 1 sur 5. Je vais repartir sur la hache.
Ah, où il est? Où il est le cercle? Il est là-bas. Oh non! Attends, attends, attends. Il est en train de disparaître, le cercle! Le cercle va disparaître! Il a disparu! Vite, va-t'en! Allez, venez les Billy. Comme ça, je vais vous tuer pile au moment où le cercle va disparaître, ça va être hyper fun. Tu le sors pas, tu le sors pas. Tu la sors! Je suis sûr que tu la sors. Oh, il n'y a plus le cercle! Mais il est où le cercle? Il n'y a pas de cercle. Ah, lui là-bas, là. Super. Yes, 4. 4, plus qu'un. Oh, lui, je le sens bien. Lui. Oh non! C'était trop tard. Attention! Ils sont pas dedans. Mais non, tu suis là. Ah, il est pas dedans. Il est pas dedans. Lui, il va mourir, lui. Allez, allez. Yes. Le bon fun. Ah oui, alors là, c'est l'éclate. Hein. Alors, en difficulté supérieure, ça doit être tellement fun. Tellement, tellement fun. Ouais, j'utilise peu les skills, c'est vrai. Ah, un cimier enflammé. On vient d'où? Ok, on continue. Mes mains transpirent tellement que j'ai du mal à tenir l'arc. Moi, mon nez me gratte. Je voulais regarder la vue, mais bon, finalement. J'ai trouvé l'épée suivante. Oh! Où ça? Comment t'as fait, Atreus? Allez. On en est en combien? Crane, celle-là va durer 20 minutes. Oui, objectif 100% ou presque, je sais pas. Prêt? Prêt. Oh, tu parlais au petit, bien sûr. 100! 100! Laisse-moi le temps! Ah, puis c'est level 4 en plus, c'est pas. Tombé dans la lave. Je suis déçu. Ah, travail accompli, défaite des drogards. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Oh, attends, attends. Non, non, je me suis planté. Ah non. Voilà. Plus que 91. On est pour lui, il vient d'arriver.
Et bim! Oula, qui c'est qui va me frapper? Ouh, c'est quoi ça? Ah mais non, ça c'est déjà des très très gros mobs. Ça c'est fait. Allez, plus que 87. Ah, il y en avait un derrière. C'est pas des petits ennemis quoi, ils ont des HP hein. Il est pas mort lui. 84. Allez. Vas-y Atreyu. 80. Ouais. On a bientôt fini. Ce serait marrant que sur les 5 dernières ennemis, ils mettent des ennemis super difficiles et du coup t'es obligé de tout recommencer derrière. Je trouverais ça hyper rigolo. Qu'est-ce que tu fais? C'est derrière. Allez! Non, dehors! Voilà, oh, il y en a un, c'est déjà bien. Allez, dehors. Voilà. On va essayer de pas mourir, hein. Pour l'instant, ça se passe bien. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris des dégâts. Bon, les loups, on rebop en tout cas. Il n'y avait rien à l'intérieur. Publicité mensongère. Oh, je l'avais pas vu! Les machins, ils te rush, ils ont pop dans ton dos. Où ça? Ah! Un autre gros Billy, il a pas d'amis? À un moment, ils vont nous en mettre deux en même temps. Pourquoi j'ai parlé? Pourquoi je pouvais pas me taire? Oh mais non, c'était la fin de mon... C'est bon.
Et l'autre, il y a... Ah, c'est... Ah, il y en a trop. Ah, vite. Voilà. Ok. Bon. Je veux pas dire, mais c'est tendu quand même. Ouais, les... Ah, j'ai oublié les loups. J'ai oublié les loups sur les gros Billy. Oh, j'ai raté. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont super vite. Oula. Oh, il y en a deux. Ok. J'ai peur. Ok, travail accompli, on a de l'XP, on est trop content. Combien on est? 35. Allez. Pourquoi il est bizarre lui? Encore? Allez. Ah non, ça va pas marcher. Bon, le contre, hein. 30. D'autres derrière toi. C'est bon, lui il est mort. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça?
On est bon. 23. Oh. Non, je voulais pas faire ça. Bon, pas grave. Ah, mais il est pas interrompu. On va tomber à 20. À mon avis, là, va y avoir de la difficulté, là. Oh. Tu savais pas nager dans la lave. Bon, ça va si c'est eux. T'as pas d'amis. T'es tout seul? Je suis pas tout seul. Garde les loups, hein. Sont les autres. Ça c'était bien ça. Ça c'était bien. On est à 15. Onze. Oh non! Ne vous inquiétez pas. J'ai encore ma botte secrète. Oh non, je l'avais pas vu ça. Non mais où? Je sais pas s'il y a un boss de fin, je vais garder au cas où il y a un boss de fin. Ah mince. Ah bah non, il n'y a pas de boss de fin. Yes! C'est de plus en plus facile. Non, c'est pas de plus en plus facile. Ouais, je voulais les garder volontairement au cas où il y a une mauvaise surprise à la fin. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le troll. Il a tellement défoncé l'autre gars. Le troll, il a... voilà. Le contrôle du troll à la fin. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un autre gars. Oh non, il y en a encore un. C'était le premier défi. Ah oui, c'était le premier. Ouais, voilà. Atreus ne se sent plus, c'est ça. Bon, on continue. Ah, j'aurais... Attends. On va faire un truc parce que... Si tu le dis. J'imagine que la sauvegarde est intelligente, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On va faire un truc quand même, ça me paraît bien. Ah bah tiens, monsieur Ika, on a eu la même, on a eu le même réflexe. Après, c'est 1000. Oui, la marmotte. Hein. Empêcher l'ennemi de capturer Atreus. La porte est fermée. Prépare-toi, Atreus. Oui, père. Et un grand merci à Gabla qui sera bon pour la 12e fois. Ah non, soutien, le bisou et bim. Oh non, les loups, j'ai pas fait exprès. Oh, ce gâchis. Faut que je fasse quoi, du coup? Bah, ils vont pas le capturer. Il n'y a personne qui capture Atreus. Oh,
J'ai quelle armure? J'ai celle de Brock. Ok, tout se passe bien pour le moment. Oh là là, toi tu sais pas ce que t'as fait. Il y avait pas un loot? Non, il y avait pas un loot. Restez concentrés. Nombre de captures d'Atreus, 0 sur 3. On veut pas, de capture d'Atreus. Ah, je voulais pas faire ça, pardon. Vas-y, hop, allez. C'est gratuit. Je crois que j'ai fait un froid. Ah non! Allez, viens! Allez, viens, aide-moi à faire le ménage. T'es mon nouveau meilleur copain. Oh non! Oh mais non! Du coup, je peux pas! Ah, j'ai jamais vu ça! Qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 vite, vite, vite! C'est fait. Bon, c'était une fausse bonne idée, le... Oh non! Allez, allez, allez! Fais-le tomber! Ça n'a pas marché. D'accord, attends. Vite! Non, 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 arrête de target ce Billy. Ouf, c'est bon. J'ai eu peur. Mais, c'est bon. Non, je voulais pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Enlève-moi cette rage. Ouf. Bon, ça va, c'était pas long. On est content quand ça finit. Ouais, c'était facile celui-là, ça va. En plus, on avait le droit à 3 captures. Moi, je croyais qu'il fallait même pas qu'il soit... que la capture, c'était même pas un truc fini, quoi. Et Night of Luna qui rejoint la Glou Family avec le Twitch Prime, des bisous et bim! Merci Night of Luna. Ça fait 4 plus que 2. Ou ça fait 5? Ah, attendez, il y a un truc là-bas. Fini les poils au bras. Magnifique. Ouais, encore 2, hein. Oh, j'aurais adoré que tu en aies plus qu'un. Y'a rien par là. C'est juste le TP. Ah. Ce ne serait pas un défi sans un minimum de difficulté, non? Alors, par là, y'a rien. Ah, j'ai loupé un coffre, on m'a dit. J'ai loupé un coffre. Ah oui, ici. Non, attends. Non, là, c'est d'où je viens. Où est-ce que j'ai loupé un coffre? Alors, j'ai loupé un coffre. Donc... Où est-ce que j'ai loupé un coffre?
Faut que je redescende. Où est-ce qu'il peut y avoir un coffre? Ouais, lors de l'escalade, j'ai loupé un coffre. Ah oui, exact, sur le côté. En plus, on le voit bien. On va maintenant savoir comment je vais y accéder. Peut-être en bas. Non, c'est d'où je viens, ça. Ça, c'est d'où je viens. Ok. Alors, comment je vais monter? Là, je peux pas aller à gauche ou à droite. Je peux pas aller sur le côté. Peut-être dit... Ah non, ici. Je pense que c'est ici. Et là, il doit y avoir quelque chose à faire. Là, je peux monter. Je peux pas descendre. Ah ah! Ah, faut y aller de l'autre côté, je pense. Ici. Oui. C'est traître. C'est traître. Oh là là. Tout ça pour 12 vrais arbres. De l'argent. C'est mis enflammé. Ah, il y avait plein de choses en fait. Ça va. J'ai rien dit. C'était pas 500 de thunes. Merci, j'ai failli le louper. Ça aurait été dommage. On y retourne. Bah laissez-le un peu chercher. Oui, je veux bien que vous me laissiez chercher. Mais celui-là, je l'avais loupé le coffre. Donc quand vous me voyez partir à perpète et que je l'ai loupé, là vous pouvez me dire parce que j'aurais pas cherché quoi, celui-là. Après, vous pouvez me laisser chercher comment y accéder. Et là, j'étais complètement passé à côté. Voilà une épée. Ah bah, est-ce que chouette. C'est la cinquième? Ouais. C'est cool. Je suis triste de penser qu'il n'y a plus que deux épées. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça, 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 ça. Non, pas 150, même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On y va. Moi, un truc genre Valkyrie, où je recommence en boucle parce que je me fais défoncer, je suis content. Tiens-toi prêt. Tuer les ennemis pour prolonger le temps. Oh, j'ai un gros boulot. J'ai cru, petit innocent que je suis. Ouais, ça marchera pas, hein. Je vais me faire défoncer. Le devant, mais devant, on a dit. Tu fais défoncer. Jusque là tout va bien. Merci beaucoup Hypalectrion pour le sub. Désolé, j'avais pas vu. Oh non! Pour le plaisir. Ah non, faut que je fasse ça, c'est vrai. Ah, mais j'ai appuyé sur le bouclier. Tu me mens. Pardon, c'est pas vrai.
Ok, restez concentrés. Je suis très centré. Oh non! Et vas-y. Oh non! Allez, 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 allez. Va falloir gagner du temps pour la suite parce que là ça va pas. Vite. Oh mon âge. C'était incroyable. Oh, ça va. J'aurais aimé avoir ça une meilleure vue. Ça va. Tout va bien. J'ai eu peur. Allez, vivement le prochain défi. Heureusement, il n'y a pas deux épreuves pareilles, oui. Alors, sauvegarder. Ça, c'est bien ça. Sauvegarde avant chaque défi, hein, vous m'en voulez pas. Mais j'ai tellement peur de devoir recommencer. Évitez de subir des dégâts. Ah. Les voilà. Je suis prêt. Ennemi restant. Là. Est-ce qu'il faut que je tue 20 ennemis sans subir de dégâts ? Non mais ça va pas le faire. Je garde les loups, hein. Je garde les loups pour la fin. C'est les 4 derniers, je la joue safe. Hein. Et c'est le GG. J'ai joué safe, hein. Je voulais pas devoir... Je sais pas si j'avais le droit de me faire toucher une fois ou pas. Je sais pas du tout. J'avais le droit de me faire toucher une fois ou pas ?
J'ai vraiment pas voulu prendre de risque. Non, sans se faire toucher. Ah ouais, il a fallu... J'ai bien fait, du coup. Regardez droite, gauche, si on voit pas un coffre pour l'instant. Il n'y a rien. Si on pouvait prendre cette température et la mélanger à celle des Lime, ce serait sûrement parfait. Et si le père de tout avait des ailes, ce serait un dragon. Hein? Alors... Pas de coffre. Apparemment, non. Il n'y a plus de coffre caché, ça va être des problèmes. Ok, je regarde quand même. Attends, c'est pas bon, c'est là-bas. Là, y a rien. On est bon, on saute. Là, point le choix. Je dois aller là-bas. Y a rien d'autre. Normalement, j'ai pas peur quand on grimpe. Je ne peux qu'approuver. Voilà. Absolument pas peur. Tout est normal. Tout est normal. Hey, saute, saute. Ah, petite sauvegarde. De nouveau, hein. Sauvegarder. Gare. Ok, bon, là maintenant ça va moins bien se passer. Je vous préviens. On va débloquer la porte qui est juste là. Une Valkyrie. Soyez prudent. Je pense pas que le feu lui fasse très mal, mais on va quand même utiliser les cooldowns. Tiens-toi prêt. Nouveau ça. Oh non, ça n'a pas l'air bien. Je veux pas mourir maintenant. Non. Allez, vas-y, reste-moi. En mode difficile, tu mourrais en deux coups, c'était génial. Absolument. Premier try ennemi. Bon, je l'ai pas trouvé très difficile. Vous avez détruit ma forme charnelle. Du coup, parce que là, c'était la découverte des skills. Ma gratitude. Je vais la laisser parler. C'est tout ce qu'il nous fallait. La gratitude ne paie pas l'entretien des armes, Atreus. Le Valhalla m'attend. Au revoir.
Allez, 7ème Valkyrie. Ouais, j'ai hésité, puis j'ai utilisé le reste parce que je l'ai pas trouvé très difficile pour un premier try. J'ai pas trouvé qu'elle avait des skills particulièrement horribles. Du coup, je n'avais pas spécialement envie de la refaire. Voilà. Elle pourrait nous faciliter la tâche. Je ne suis pas vraiment sûr qu'elles aient le choix, petit. Comment ça? Quelle que soit la raison de leur état, elles sont folles de rage. Comment tu le sais? Je le sais. Valkyrie 7 sur 8. Assis Asgardien. Assis Asgardien. Fureur infernale de Muspelheim. Le feu le plus ardent du sommet de Muspelheim permet d'accéder à une amélioration pour un objet puissant. D'accord. Assis Asgardien, parfait. Ok. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, œil du Léviathan. Et nous avons Pala William qui se réunit pour la 30e fois. 30 mois, ça fait beaucoup. Mais bon, ça vaut le coup. Et bim, le reçoit. Merci Pala William, c'est très gentil. Merci beaucoup. Augmente 6% les dégâts de la hache, cumule à 18%, d'accord. Objet fric, protection des avant-bras. Ah, il y a une nouvelle partie. Oh là là. J'ai hâte de voir ce qu'à quoi elle ressemblera, l'armure complète. Et il y a deux coffres, hein. Pourquoi? Voilà, on a accès. On a le choix. On peut prendre les deux. Yop, le gant d'Aril, Tug. Légende d'Aril. Ah non, c'est légende d'Aril. Non, non, je ne sais pas. Non, c'est le gant d'Aril. Je ne sais pas. Mais coucou à toi. Ouais, il manque celle de Nilfheim. Je suis jamais allé à Nilfheim. La voix est impressionnée. Elle dit que si on est capable de vaincre une Valkyrie, elle peut débloquer une nouvelle série de défis. Je crois que toutes les épées sont revenues. Et je dois le faire ou non? Ou c'est juste pour farmer, peut-être? Et du coup, j'ai pas eu ma... Oh. J'ai pas eu ma sixième épée, j'allais dire. C'est le farm... Oui, mais celle-là, c'est quoi? Ça fait repop la Valkyrie? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça dit, ici? Non, ça dit que j'ai tout fait. Ça dit que j'ai tout fait. Ça sert à quoi, celle-là, cette épée-là? Faut les faire pour le défi ultime. C'est pour le plat de crane, faut faire les défis impossibles. Oh. Ça dit sauvegarde. C'est pour prendre des cimes de sûreté et farm pour améliorer des choses. D'accord. Va affronter six hommes en protégeant Atreus. Bon, ça me tente pas spécialement, donc je pense qu'on va retourner. Je pense qu'on va dire que ça suffit. Ouais, je pense que tu dois manquer de braise pour l'équipement, parce que l'équipement, il a l'air d'en demander beaucoup. Donc là, on a un TP. Quelle heure il est? 23h44. C'est long, Nilfheim, ou pas? Me dites pas que c'est une série de défis pareil. Hein. Bah, j'aimerais bien, moi, faire la dernière Valkyrie. Hein. J'ai très très hâte de voir ce que ça fait, les Valkyries. Au pire, on peut aller... commencer Nilfheim. Fais juste 3 défis, tu auras accès à cette épreuve très facile. C'est limité, Nilfheim. Non, ça va en une heure, je pense, tu clean les Valkyries, etc. Ok. Bon, bah, de toute façon, on reviendra au pire. Pour l'instant, on va aller à l'atelier de Brock. Garde les ressources que tu as obtenues dans ce monde, d'accord. Mais ça veut dire que peut-être vendredi on finit le jeu. Peut-être pas le défi ultime et ce genre de truc là, mais il y a peut-être moyen. Tu peux recommencer le live, vient juste d'arriver. Bien évidemment, je vais faire ça de suite. Alors, est-ce qu'il me raconte des trucs? Il n'y a rien à me raconter. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pommeau de lame. Poignée de la flamme oubliée. Ouais, on s'en fout. Là, qu'est-ce qu'on a? Protection des avant-bras. Bah oui, il y a le gantelet Valkyrie qu'on pourrait améliorer. Mais on s'en fout. Il y a ça qu'on peut toujours pas améliorer parce qu'il nous manque 1200 échos de brume.
Ah, du coup, on a eu des braises ardentes. Alors, attends, on en a eu 186. Donc, ça fait 50 plus... Plus 100, 150. Ah, vas-y. Là, il en faut... Ah, il en faut 200, on a 186. Oh, les petits malins. Ouais, on s'en fout. Je comprends. C'était juste pour mes beaux yeux. Tout à... Ah bah non, j'ai pas regardé la fin. Hé, hey, je suis ouvert. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Attaque runique puissante des lames. Ça fait quoi? Je peux pas la crafter, mais elle a l'air bien, dis donc. Elle a l'air bien, cette attaque. Enchantement. Ok. On va reprendre une pierre de résurrection. Ok. On taille la route ou bien le bout de gras? Non, la route. Hop. D'accord, ouais, c'est bon. Salut, Miliopt. Allez, direction Nilfheim, on va voir ce que c'est. Je suis curieux de voir ce que ça va faire, finir la quête de Valkyrie. Me doute pas. Alors, changer de monde. Alors, Muspelheim, si je dis pas de bêtises. Ah oui, j'y suis arrivé du premier coup. C'est bon. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble Nilfheim, par contre. C'est parti. Voyage hyperespace. Et zouf. C'est chargé. Censé être le royaume des brumes. D'accord. On va voir ce que vont nous dire les deux frérots déjà. Ah, ils nous disent rien. Oh bon, on arrive dans un nouvel endroit et tu nous dis rien. Non, ils nous disent vraiment rien. Très bien. Alors, on va faire une petite sauvegarde ici aussi. Sauvegarde et allez hop. Tu as allumé tous les braseros avec les noms des Valkyries. J'en ai allumé 7. J'en ai allumé 7. Et le 8e brasero, Atreus a dit mais où peut bien être le 8e? Il n'y en a pas 8. Tout ça, tout ça. Je peux améliorer mes lames? On ne peut pas dire que ce soit une destination non. Très. Non, j'aurais vu. Il m'a pas proposé. L'odeur. Enfin, je crois pas. J'en sais rien. Non, je peux pas améliorer mes lames. J'ai pas looté un truc pour améliorer les lames. Je vais regarder. Dans le doute. Non, pas encore. On va vérifier, mais je ne pense pas. Ah, non, c'est quoi tous ces nouveaux trucs? C'est l'armure du coin, c'est quoi? Juste en arrivant ici, on a des nouveaux trucs qui sont proposés. Truc du coin. Restaure un peu de santé et permet de rester plus longtemps dans la brume maudite de Nilfheim. Ça se trouve, c'est bien, mais on n'a pas. Et là, il y a un nouvel enchantement. Quelque part. Ouais, osef. À la revoyure. Donc, non, pas pour le moment. Ah, quoique. Non, il me l'aurait proposé ou pas? Parce que j'ai même pas regardé. En vrai, j'avais déjà oublié. Ici, l'âme du chaos. Non, j'ai pas de flamme du chaos. Et là, hache Léviathan. Il manque une flamme de glace. Une autre fois, alors. Et nous avons Maître Yakuru qui s'abonne pour la 21e fois. Bonsoir Crane, bonsoir Maître Yakuru, des bisous et bim le resub, merci à toi, j'espère que tu vas bien. Hop, on commence directement par un coffre caché. Et un Nufidax. Tu sais, c'est bizarre. Oui, une drôle de matière. Donc c'est là où ça va dire... Oh, ça fait bobo. Qu'est-ce que c'est que ça? La brume est maudite. Maudite? Il a raison. Il n'y a pas de danger pour l'instant, mais elle nous tuera si on s'y attarde. Une raison de plus d'aimer Niflheim. Ok. Atreus,
Viens. Voyons qu'est-ce voir. Que ça dit. Alors, nouvelle inscription runique. Faites demi-tour. Sur ce lieu pèse la malédiction d'Ivaldi, dont les talents menaçaient les dieux d'Asgard. L'alchimie de mon père a transformé la brume de Nilfheim en arme et l'a retournée contre son créateur. C'était son inventeur et un artisan hors pair, mais son adresse et son génie ont attiré la colère des Ases. C'est pourquoi moi, Maud Sognir, je renonce à ces terres. Je renonce à l'héritage des nains. Je m'en vais chercher refuge et exil à Midgard. Ceux qui ne fuient pas ce royaume iront rejoindre mon père dans la tombe, Maud Sognir, fils d'Ivaldi. Tout se rejoint. Écho de brume. Là-bas. Ok, il y a un coffre dedans. Là non plus. Et là, il n'y avait rien non plus. Non. Ah, ah. Encore toi. Quel plaisir de vous voir ici. Ah, il y a du blabla. Et il y a de la quête. Ça m'étonne de te voir ici, Sindri. Cette brume est répugnante. Tu crois qu'une petite brume maudite va m'arrêter? Oui, tu as raison. J'essaie de fabriquer une armure qui atténue ses effets. Les matériaux dont j'ai besoin sont tous ici, dans l'atelier d'Ivaldi. Mais ils sont couverts de cette immondice, bien sûr. Attends. Autant que je sache, cette armure se trouve actuellement dans la salle centrale de l'atelier. L'entrée est scellée, mais je peux vous faire une pierre de passage avec assez d'écho de brume. Voilà. Mais t'en faut. Il était sûr qu'il allait nous demander quelque chose, c'est ça? Alors. Évitez de passer trop de temps dans la brume. Cette puanteur risque de s'incruster dans vos cheveux, vos armes, vos armures, et pas je de cheveux. Refuse de toucher votre matériel tant que vous n'aurez pas brûlé toute cette vermine dans les feux de Muspelheim. Et puis, ça vous tuerait. Très bien. Trouver des échos de brume dans l'atelier devrait être facile. Rester en vie, en revanche... J'ai vu ça, Altios, je te remercie. Non, j'ai pas vu s'il nous y racontait rien d'autre. Hein. Des fois que... Non, il nous raconte rien d'autre. Non, je vais aller le faire vu que vous êtes là. Hop. Protection. Alors. Acheter. Ressources. Enchantement. Non. Vendre. Ressources. En tout cas, il ne me le propose pas pour le moment. Ou alors, je sais pas où c'est. C'est pas un, c'était quoi? Non, c'était pas un enchantement. C'était quoi? C'était une ressource, non? Je sais pas. Non, c'est pas encore débloqué, si je pense. Est. Je ne bouge pas d'ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose d'écrit. Alors, ces ruines maudites renferment de rares échos de brume qui servent à fabriquer de magnifiques armures. Les ennemis, pièges et trésors sont réinitialisés quand vous revenez. Quand vous revenez, prenez tout ce que vous pouvez et échappez-vous si vous ne voulez pas être la prochaine victime de l'atelier. Cet endroit se renouvelle à chaque fois qu'on part. C'est incroyable. Atreus, concentre-toi. Cet endroit est dangereux. Bel exemple de la créativité des nains. Impressionnante et dangereuse. Il n'y a rien. Des loups! Écho de brume 174. Faut que je cours, c'est ça. Ah non.
Oh, t'es sérieux? Attends, il y en a une là. Il y a un coffre ici. Et là, je suis au-dessus de la brume. J'arrive pas à les voir. Une là. Où sont les autres? Où sont les deux autres? J'en vois qu'une! Et puis ça va se réinitialiser. Deux! Une en hauteur là-bas, ça fait deux. Où est la troisième? Trois! Oh, elle est méga loin, t'es sérieux? Oh, vas-y, du coup, je suis obligé de recommencer. Frère, tes forces te quittent. Ok, il y en avait... Oh là, attends, j'avais oublié. J'avais oublié, pardon. Ça c'est fait. Merci beaucoup à Arkdant, Arkdant qui rejoint la Glou Family, des bisous et bim! Merci, bienvenue. Ok, récupérer 900 échos. Je sais pas combien il m'en faut. Il m'en faut combien? Il a dit combien il en fallait? T'en faut 45 000 en tout? 500? Ah bah ça va, ça c'est... On dirait que vous avez assez d'écho et vous n'êtes pas mort. Eh oui. Désolé, hein, mon fils a tendance à... La brume. Aussi étrange que cela puisse paraître, les nains qui vivaient ici faisaient des merveilles avec les brumes de Niflheim. Continuez à guetter les échos de brume. Ils peuvent me servir à un tas de choses. Si tu meurs dans la brume, tu perds tout ton loot. Ah, t'es en train de me dire que je vais sauvegarder juste devant. Est-ce que ça vaut le coup que je visite l'extérieur avant de rentrer? Parce que il y a l'air d'y avoir des trucs sympas. J'ai bien envie de visiter. Et j'ai bien envie de farmer juste pour m'acheter l'item qui... je vais y arriver. Qui permet de se régénérer dans la brume, là. Ça a l'air bien. Ça a l'air d'être un investissement intéressant. Ouais, je vais le refaire. J'ai plus mon épée. Derrière toi. Oh non, je pensais que j'avais le temps, mais j'avais pas le temps. Ok, nickel. On y va. Mais j'ai déjà perdu tout ça. Oh. Est-ce que j'ai pas plus vite fait de les ignorer? Un autre coffre. Apparemment, il n'y a rien du tout. Là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est une repentie! Oh non, pas trois! Recule. Une de moins. Ok.
Par contre, je sais pas d'où je viens. Oh, c'est bien ça. C'est pas mal. Ah oui, je viens de là-bas. Ah, il y avait un coffre ici. Bon, je vais le chercher. J'ai le temps. Non, non, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Ah, je peux pas. Vite, c'est de l'autre côté. Quelqu'un m'a dit qu'en rentrant dedans, ça résetait la brume. Tu m'as pas menti. La brume est moins épaisse ici. Ah, mieux. C'est bon. Ah, l'armure. Elle a l'air mal en point. Armure rouillée, dit Val. Non, elle est trop petite et trop vieille. Il faut la rapporter aux nains. Donc on est d'accord, les petits coffres, ça va me servir à... C'est... Là, faut pas que je le prenne, les petits coffres. Ouais, on va sauvegarder, ça m'a l'air bien. Hop, sauvegarder. Ouais, Muspelheim, là. Très bien. Prends tout. Tu peux les prendre, d'accord. On va tout prendre, hein. On va même faire une roulade devant, parce que c'est plus classe. C'est pas mal ça. On prend. Ouais. Ça je peux ouvrir. Ok. Alors 2500, 5000, ça. 15000, une encre. Mais what? 7500. Ok. Et donc tout ça, je peux pas le faire. Dites-moi pas que la Valkyrie, c'est un de ces trucs-là. S'il vous plaît. Ah, il y a un loot. T'es mort ? 1949. Non, ça va. Est-ce que ça vaut le coup que genre je dépense 1000 pour ouvrir ce coffre ? Non, elle spawn. Ok. Ça vaut le coup ou pas? Autant le faire maintenant. Oui, je prends la 2500 ou la 1000? On commence par la 2500 ou par la 1000? Après, c'est peut-être plus logique de le faire dans l'ordre. 2500. 2500, 1000. La grosse. Garde un peu. Ou on va faire la 1000. On verra. Je vais re-sauvegarder juste avant. Des fois que. Dans l'ordre. Ouais, dans l'ordre, ça m'a l'air bien. Ok. Artefact de fléau parfait. Alliage de Nilfheim. Ok, donc pour l'instant, donc on peut plus rien ouvrir d'autre. J'ai pas fait ces coffres là. Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait ça.
on prend. Et je pense que c'est bon. On va pouvoir faire demi-tour. Alors je me demande juste un truc. Est-ce que ça fait reset? Ouais, ça fait reset les mobs. Ça fait reset la barre. Est-ce que ça fait reset les mobs? J'imagine que oui, sinon ce serait trop beau. Ah, bien sûr que oui. Aller voir par là. Donc là, j'avais fait le fameux coffre, je sais pas quoi. Ici, j'ai pas fait. Allons voir. Non, pas revenant. J'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Maintenant, c'est force qui? Laisse-moi le temps. Ah mais non, je voulais pas faire ça. Vite, 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 vite. Je viens d'où? Attends, ça va me redonner un peu de vie, ça. Non, ça a pas augmenté. Attends, je viens d'où? Je sais pas. Je suis venu d'où? De là? Ça va le faire. Ça va le faire. Easy. Easy. Bah. Est-ce que c'est bien ce que je crois? Une armure inutile? Inutile? Oh, petit homme de peu de foi. Cette armure était celle d'Ivaldi. Elle a connu des jours meilleurs. Mais avec plus d'écho de brume, je pourrais la restaurer pour qu'elle contre les effets de la malédiction. Je ne vois pas de raison de s'attarder, à moins que cet atelier renferme des choses de valeur. Vous avez vu tous les coffres dans la salle centrale, non? Plus toutes les babioles entassées dans le fond de l'atelier. Et les trois brèches du royaume, bien sûr. Mais mieux vaut faire attention avec ça. Pourquoi ça? Ce sont littéralement des brèches à la surface de la réalité. Tu veux y passer la main? À ta guise. Ok. Par où commencer? Alors. Cuirasse de brume éternelle. Épaulière de brume maudite. Épaulière de brume mortelle. Alors qu'est-ce que ça fait? Augmenter légèrement mais de façon permanente la régénération de santé. Ah, c'est tous. Quelle est la différence? Celle-là, c'est celle qui a le plus de force. Pourquoi pas. On peut en crafter une partie. La brume mortelle est hop, donc celle-là. Bah pourquoi pas. La cuirasse une fois augmentée à fond, c'est la meilleure armure du jeu pour moi. Ah, alors faudrait savoir. Il y en a qui disent la cuirasse, d'autres l'épaulière mortelle. Il paraît que Greenleaf que la mortelle est mortelle. Mais la mortelle est plus classe.
fait voir les autres parties. On voit pas bien. Là, c'est les gantelets de... qui sont les plus beaux. Au niveau de la taille. Brume éternelle. Brume maudite. Brume mortelle. Très joli, hein. La brume mortelle est meilleure et plus belle. Prends la mortelle, elle est super, surtout ne pas oublier les enchantements qui vont avec. Ouais. Eh ben, on va faire... on va se faire le... l'épaulière de brume mortelle. Comme ça, vous reverrez enfin la musculature de... Vous reverrez enfin la musculature de Kratos. Ah, mais je me suis toujours caché, j'ai oublié de revenir. Hop, me revoilà. Ça m'a l'air bien. Fabriqué. C'est un très bon... Ok. Équipé. Nickel. Et bien sûr, pour le reste, on pourra pas. On n'a pas ce qu'il faut. Il nous manque des échos et de l'alliage. Ne me dites pas que l'alliage est uniquement disponible dans les coffres et donc qu'il faut les ouvrir avec des échos. C'est ça? Hein? Je sens que ça va être ça. Et l'amélioration, ça donne quoi? Ça donne qu'il faut des étoffes de brume. Il faut des braises ardentes aussi, tiens. Tu le sens le farm arriver? Oui, je le sens bien, ouais. Je le sens très très bien. Et du coup, est-ce que déjà une partie va un peu contrer les effets? Ok. L'alliage, c'est avec les To Be Free. Exactement. Je me demandais quand est-ce que quelqu'un allait faire la blague. Allez, au plaisir. Combien il me reste? Est-ce que je me ferai pas? Mais je crois que j'ai pas assez. On va voir. Alors, est-ce que je me ferai pas... Invoque un brouillard purificateur qui restaure un peu de santé permet à Kratos de rester plus longtemps dans la brume maudite de Nilfheim. Est-ce que j'irai pas me crafter la pierre de Fenrir Glamour? Mais d'un autre côté, je perds mes enchantements. Ah. Ouais, non, on va dire que non. Rien? Je vois. Donc ça y est, il est de nouveau torse nu. Si c'est pas magnifique. Oui, je vais les mettre les enchantements, calmez-vous, calmez-vous. Alors, tac, tac, tac. Alors, comment je sais? Il doit y avoir ça. Ça. Ça doit être ça, hein, directement. Ah, quoique, du coup, je sais pas si c'est ça ou ça. Ça doit être ça, en fait. Parce que l'autre, je m'en fous. Ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Donc, ça doit être ça. Ok, normalement, on est bon. Et nous avons Zicox 59 qui rejoint la Glou Family. Des bisous et bim le sub, merci beaucoup. Armure plus pommeau d'armes plus enchante que tu lootes, ça suffit pour farm longtemps. Ouais. Bon, on verra. Bah ouais, peut-être faire demi-tour quand j'ai 1000 pour faire la pierre. Par contre, je vais perdre 3 améliots vu qu'il n'y aura pas d'améliots dessus. C'est par là, oui, c'est par là. On va refaire une petite sauvegarde. Tac. Tac. Ok, c'est parti. Est-ce que je suis obligé d'affronter les ennemis ou je peux tracer ma route et m'en foutre? Parce qu'en vrai, c'est hyper chiant. Le pommeau de hache, d'abord, je te conseille. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un pommeau de hache. Je ne plaisante pas. Attention avec les brèches du royaume. Pommeau de hache. Poignée du dédale à 1500. Très forte chance de restaurer une partie de la protection contre la brume maudite de Nilfheim à chaque élimination réussie. De façon passive, octroie une résistance à la brume maudite. C'est mignon. Très mignon. Très très mignon. Je ne veux forcer personne à acheter. T'auras pas les coffres si tu traces. Bah oui, mais bon, j'aimerais bien explorer un peu, quoi. Donc là, par exemple, je peux pas ouvrir. Non, ils veulent pas. Ah!
rien, quoi. Ah mince, je croyais que j'avais fait. C'est hyper long les fights. Ah oui, j'ai des ennemis de glace, il faudrait que je change d'arme. Ça pourrait être bien. J'ai pas envie de me retaper les sorcières, mais c'est pas les mêmes pièges. Ah non, mais ça change à chaque fois. Hein. Oh pardon. Oh bah non. Ah. Je me disais bien, mais il y en a sur la droite, il y en a sur la gauche. Il y a un truc pas clair. Il y a un truc pas clair. Mon cerveau, il a bugué. Oula, il y en a des deux côtés. Du coup, j'ai tout perdu. Et là, tu as perdu toute ton armure. Faut tout refaire, Crane Live. Mais non, j'ai pas perdu toute mon armure. Et Windoro, qui rejoint la Glue Family. Des bisous et bim. Et bim, le sub. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Bon, non, je sais pas pourquoi j'aurais perdu mon armure. Elle est toujours là, l'armure, elle va très bien. Ok, on va voir si c'est des ennemis. Tu as perdu 200 échos. Oh, ça va. On va voir si ça passe mieux avec ça. T'as eu mal à ma barre de vie. Ça a été vite là, c'était mieux. C'était beaucoup mieux. Hop, ça fait quoi un sub? Bah, c'est un moyen de soutenir la chaîne financièrement, tout ça, tout ça. Et ça te donne accès à des petites emotes. Okay, nickel. Ah, de nouveau. De nouveau. Vite, 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 vite. Vite, 1, 2, j'en ai vu 2, il me faut le troisième. Et un grand merci à Orion qui rejoint la Glue Family avec le Twitch Prime, des bisous et bim. Et le troisième est tout là-bas, ok, vite. Oh. Est-ce que je l'ai eu ou pas? Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est pas d'où je viens là, hein. Je viens pas de faire demi-tour par hasard. Non, c'est bon. Attention, derrière toi! Oh là là. Ok. Ça c'est bon. On peut monter, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose. Là, ça a l'air assez dangereux. Il va falloir que je fasse demi-tour au bout d'un moment, non? Non mais je peux pas, là je dois faire demi-tour. C'est trop long.
où il n'y a pas de brume. Attends, chou, c'est là par là. Ah, le labyrinthe, c'est une boucle. Ah. Bon, j'ai récupéré 1157, mais j'en avais déjà avant. À ce coup, ça m'en fait combien ? Les brèches du royaume renferment un terrible secret qu'Ivaldi voulait cacher. Mais bon, allez savoir. Les nains sont étranges. Et oui, je sais que je suis un nain. Je crafte ça ? Je peux aussi aller dans la salle des coffres pour les atouts. Ouais, mais je voulais crafter quelque chose. Je crafte ça, du coup ? Tu gagnes quoi dans ce labyrinthe ? Fais le 7. Mais j'ai pas ce qu'il faut pour le 7. Do it. Plus pour le pommeau. Oui ? Ok, bah. Ok, nickel. Parce que ça s'améliore. Ah oui, ça s'améliore. Très forte chance de restaurer une partie de la protection contre la brume maudite de l'uniforme à chaque élimination. De façon passive, octroie une résistance à la brume maudite. Ok. Bon, on verra ce que ça donne. Allez, au plaisir. On va faire la sauvegarde. Pam, 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 pam. Bon, on s'en fout. On prend la première qui vient, ça ira bien. Bah, les avant-bras, ça va dépendre si je trouve de l'alliage ou pas. Hein. J'en ai pas trouvé de l'alliage, on est d'accord. Je peux te trouver, j'ai pas fait gaffe, c'est possible. Ah, qu'est-ce qui vous a... Un grand merci à Rinesho. Rinesho qui rejoint Rineko, je ne sais pas. Qui rejoint la Glou Family, des bisous et bim. Merci beaucoup. Ah si, je pouvais. Ah, j'avais trouvé de l'alliage. Bon, j'ai rien dit. J'aurais pu crafter les avant-bras. Mais il m'en manque 846. 846 et on peut faire les avant-bras. Et ce sera déjà pas mal. Allez, let's go. Y'a rien par là. Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc par là. J'ai rêvé. Fais perdre du temps, Billy. Attention, père ! Je la vois pas beaucoup, la... le gain de rage. Hein. Je vais pas t'écouter, mais pourquoi faire autant de sauvegardes ? Parce qu'apparemment, tu perds des trucs quand tu meurs, je sais pas trop. Il n'y a pas un deuxième ? Ah, il y en avait qu'un. J'ai oublié les loups. Exact. C'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Absolument rien. Ici. Ça sent l'arnaque. Je le sens bien. Je le sens extrêmement bien. Oh non. Ok, c'est fait. C'est tout, rien d'autre ? Si, il y a un autre coffre là. Par contre, je sais pas d'où je viens.
pas si je fais demi-tour ou pas. Ah non, je fais pas demi-tour. Bah, allez. Je pourrais aller me crafter les avant-bras. Je pense que ce serait le plus intelligent à faire tout de suite maintenant. Je le sens bien. Ok. Oui, non, j'avais du temps, hein, mais du coup, ça va me permettre de crafter les avant-bras, on sera plus à l'aise. Besoin d'une mise à niveau avant de vous attaquer aux brèches du royaume ? Notez que je ne cautionne pas cette action. Ok. Bon, ça m'a l'air bien. Donc, ah non, mais j'ai failli crafter les mauvais. C'est ça. On va perdre un petit peu sur certaines stats. Équipé. Ok. Il y avait quelque chose d'autre ? Merci beaucoup, Dark Chevrus. 12 mois de soutien, 1 an, des bisous et bim. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi. Alors. Ici. Oh, c'est vrai que je l'utilise jamais, ça. Ouais, de toute façon, on va le remettre quand même. Augmenter cette vitesse, ça, je prends. Alors, on a relique. Non, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ah bah mince, c'est lequel, le bon. Don de force, quand on a c'était le Kratos niveau critique. 4-7. C'est vrai que je mettais ça. Il n'y avait pas mieux. Ah, c'est peut-être un... Ben non. Ou alors ça. Ah non, ça devait être ça. Ça devait être ça. Ok. Ok. On est bon. On est pas mal. Vas-y. On est plus à ça près. C'est fait. Normalement, j'ai les bonnes runes. On est pas mal. Deux parties de là. Ah, j'ai pas vu combien ça me coûtait pour la troisième partie. Oui, entrez. On a la protection de taille. Il nous manque 600 brumes et 3 alliages. Et donc, pour améliorer, après, ça coûte combien? Ça coûte 3 étoffes. Les étoffes, on en a pas encore. Et pas mal de brumes. Oh, okay. Rien. Je vois. Logiquement, on est bien. Ça devrait commencer à être pas mal. Hop. Et hop. Ah déjà. C'est sérieux. Allez, est-ce que tu vas mourir? Meurs, s'il te plaît. Je... Oh oui! Oh oui, ça meurt dans les pièges. Laisse-moi le temps. Et un grand merci à Hippocrate qui rejoint la Loup Family. Des bisous et bim! Et bim le sub, merci. Elles m'ont défoncé par contre. Là-bas. Ça m'a l'air d'être tout. On va pouvoir... Il me fait peur, moi, cet endroit. Oh, monte. Ok. Ah, pas mal ça, je ne savais... Oh là, vite.
pas d'ennemis. Qu'est-ce qu'il y a ici? On voit rien. On peut pas y aller. Il y a rien. Ok. Allez, deux coffres, ça c'est cool. On est pas mal. On va attendre, malheureusement, j'aurais pu passer, je pense. Je vais pas faire ça, mais c'est pas grave. Ok, nickel. On y va. Mais je sais pas d'où je viens à chaque fois. Il y en avait des cadeaux ici. Ok, je viens de... Attends, je viens d'où? Comment je sais d'où je viens? Je sais pas d'où je viens. Je viens pas de là? Si, je viens de là. Fais une croix sur ton écran. Ok. Là, par exemple, qu'est-ce qui m'empêche de monter dessus? Et là, il y a un chemin par là et un chemin par là. Vite! Un autre coffre. Donc là, ça doit être d'où je viens. Et ça, c'est la suite. Un nouveau 1, 2 et le troisième, et le troisième, 3. Ok. Ok.
sais pas où je suis. C'est pas par là que je viens. Faire le tour complet là ou pas, je sais pas où je suis. Alors là-bas je viens de quel côté, des trucs qui se ferment ou des dents de scie? Je crois que je viens des trucs qui se ferment. Les dents de scie, ça devait être avant. Oh, je sais plus, je viens d'où. Attendez, si je fais ça, ça s'écoule pas. Je viens du côté du truc qui se ferme. Ok. Ok. Ah, je suis revenu au début. Ah, si c'est pas beau. Ah, si c'est pas magnifique. On peut faire le tour maintenant. Fallait crafter ce qui me manque. Ah, ou alors je peux aller ouvrir des coffres dans la salle centrale. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Bon, je pense qu'on peut faire les jambières déjà. Les lames tournoyantes étaient les préférées d'Ivette. Je les ai toujours trouvées un peu vulgaires. Protection de la taille, on va faire ça. Superbe création. Équipé. Protection de la taille. Oh, je peux même améliorer des trucs, dis donc. Ah, j'ai eu des étoffes de brume. J'espère que je ne précipite pas ton départ. Ok, alors. Tac, tac. Éclat-tir, tac. Faudrait que je les enlève des autres pièces. Cœur de Vanaheim. Et la dernière, ça doit être une violette, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ah non, il y a ça. J'ai dû équiper un truc qu'il fallait pas. Alors, j'ai dû équiper un truc qu'il fallait pas. Ça, on s'en fout, ça. Mais oui, ça, on s'en fout, ça. Mais non. Cœur de Vanaheim. 4 forces, 4 récupérations. C'est à chaque coup réussi. Ah non, c'est pas mal. Oh, c'est niveau 4. Non, on s'en fout. Vas-y. Œil de rage. Moi. Ah, mais non, mais tout ça, c'est bien, là. Il était où? Œil de fureur. Bah, j'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce Allez, que je peux crafter l'autre truc? Talisman. Ouais, je peux le crafter. Mais bon, on va le crafter. Et on va l'équiper. Ah, je pense qu'on est assez tranquille comme ça. Bon, par contre, j'ai perdu un petit autre peu en stats. Voyons voir. Ah, il veut me parler. Où est-ce qu'on est? Vous vous tenez sur le seuil de l'atelier d'Ivaldi. Un monument érigé à la grandeur de l'ingénierie des nains. Pourquoi ça sent si mauvais? C'est infect, n'est-ce pas? C'est une longue histoire, mais pour faire simple... Oui, Vorélien. Ivaldi a joué avec des forces qui le dépassaient, et vous en inhalez les conséquences. C'est Ivaldi qui a créé cette brume? Non, non, Niflheim a toujours été une terre de brume, et de neige. Toujours de neige, et de vent, et de glace. En fait, ça n'a jamais été un endroit plaisant.
Mais Ivaldi avait découvert un moyen de canaliser ce pouvoir givrant pour fabriquer des merveilles qui ont ébahi les royaumes des hommes et des dieux. Waouh. Oui, en effet. En effet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'Ivaldi a fabriqué ses merveilles. Ah, oui. Eh bien, Odin n'appréciait guère que des nains conçoivent des choses rivalisant avec son pouvoir. Alors il s'est interposé. Furieux, Ivaldi a riposté. Ensuite, la situation s'est envenimée. Et puis, voilà. Brume maudite. Voilà Super. Pourquoi il faut rester loin des dieux. Bon. Alors, est-ce que ça restaure... Non, c'est pas ça. Je vais juste faire ça. Tac. Alors. Invoque un brouillard purificateur qui restaure un peu de santé et permet à Kratos de rester plus longtemps. Donc je peux le faire tout de suite, en fait. Dès qu'il est dispo, je le fais. Pas les bonnes armes. Ah bah non. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y en a deux? Non, il y en a pas deux. Mince, je suis tenté. Ok. T'avais pas un pouvoir spécial avec les pierres de l'infini? Si, ça fait une sorte de gros rayon en face de toi. Je l'ai utilisé sur la Valkyrie. Bon, du coup, on est repassé à 5000, mais je vais ouvrir celui à 2500. Voir ce que ça fait. Bon, il est vite avec la vie, tout ça. Voilà. Hop. Peut-être l'améliorer, l'item, ça le fait durer plus longtemps, je sais pas. Alors il y en a trois et apparemment il y a trois passages différents donc je pense que ça doit être lié. Allez, 2500. Œil de Nilfheim, objet épique enchantement. Augmente considérablement la résistance à la brume maudite. Oh. Oh. On va équiper ça tout de suite. À la place de quoi? Alors ça c'est juste des stats, ce qui est bien, mais bon, on va mettre ça à la place. Ah voilà, c'est pas mal ça. Et trois étoffes aussi. Ah, ça veut dire que je peux améliorer deux trucs. C'est tentant, hein. Bon, on va commencer à bien pouvoir y rester dans le truc, hein. Je vais me balader. Nickel. Ah, on commence à être plus à l'aise, hein. J'y crois, je suis mort. Je suis pas mort. Allez, meurs. Oh là là, le petit Wolven, il est mort. Attends, il y en a un là-bas. Un là, il est où le troisième? Ça en fait masse, autant le faire. Ok.
Ça doit être ici. Là, il doit y avoir un truc spécial. Oh, c'est sympa ça. L'alliage. Oh là là, ça va tellement la galère. Comment est-ce possible? On va l'affronter. Ah mince! Oh, j'aurais pas lu ça. Encore marrage. On est bon. C'était la dernière Valkyrie. Liberté. Oui, tu es libre à présent. Mes sœurs, ont-elles subi le même sort? Oui, mais nous les sauverons. On a fini toutes les Valkyries, on a les 8. Bonne chance, le Valhalla m'attend. Vous deux? Elle ne m'a même pas remarqué. Quelle tristesse. Le conseil des 8. Alors. Ça devait être la dernière. Exact. Cap sur le Roxto, la Valkyrie. Souviens-toi. Cœur des Valkyries. Très faible chance d'obtenir un atout protection des Valkyries à chaque coup. D'accord. Parle-moi de ta reine. Forte, la dernière pièce d'armure que nous avons combattue. C'est le moins qu'on puisse dire, mon frère. Alors nous devons nous préparer. Cléo Az, je sais pas ce que c'est. Assias Gardien. Ah, ça doit être un des trucs pour ouvrir. Assias Gardien, parfait. Assias Gardien, et enfin. Elle des déchus, pommeau de hache. Chance montée de. D'accord, ok. Alors, je viens d'où? Il n'y a pas de coffre ou truc comme ça. Non, je pense qu'on a déjà eu suffisamment de récompenses.
Et bien. Et après, là, je venais de là. Il y a encore les traces du loup-garou. J'ai bloqué, enfin j'ai compris. Mais arrête de sélectionner l'autre! Oh, sérieusement! Je change d'arme. Vas-y, Atreus, finis-les! Non mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas à switcher de cible, il restait bloqué sur un début, c'était hyper relou. Mais c'est bon, c'est pas grave. Par contre, je viens d'où ? Je viens de là-haut. On va attendre. Ok, là je vous ai tué, c'est ça. On va attendre aussi. Ah oui, le talisman, tiens. C'est pas mal quand même le talisman. Quoique je dois peut-être pouvoir aller ouvrir un coffre. Non, que 1400. Hop. Non, ça permet de bien rester. Hein. Est-ce que améliorer l'armure ou le comment ça s'appelle, ou le talisman, ça va améliorer le temps que je peux rester, ou c'est juste une amélioration de stats? Vous y avez passé un sacré bout de temps. Prêt et dispo. Protection du torse, on peut le faire. Ah, il faut des braises ardentes. Avant-bras, faut pas de braises ardentes. Ah, mais je peux attendre. Ah non, je peux pas tout améliorer. Je peux améliorer. Et la taille et les avant-bras. Je crois que c'est juste une amélioration de stats. Coucou, je passe juste faire un petit salut Crane. J'ai pas pu être là ce soir pour le live, mais sache que j'adore ton let's play et ton gameplay. Keep working. Merci, c'est très gentil le Pierre. Merci à toi. Ok. Alors, L déchu, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le pommeau qu'on vient de looter. Et la pierre, on ne peut pas l'améliorer car on est trop pauvre. Et oui. Créer l'armure Valkyrie, la meilleure armure. Faudrait vous mettre d'accord. Il y a des gens qui viennent de dire celle-là, c'était la meilleure armure. D'autres, c'est l'armure Valkyrie. Par contre, ce serait intéressant qu'on voit à quoi elle ressemble. Très bien. Elle déchue, c'est très lourd. Mais pour l'instant, ici, je mets autre chose. Alors, je voulais voir la tête de l'armure Valkyrie. Ouais, c'est un chevalier d'or, quoi. Et un grand merci à Jitaog. Je ne fais que passer. À peine en retard. Vivement la VOD demain. Merci. Il y a eu du lourd ce soir. Des trucs relous. Mais un peu de challenge. Ouais, c'est joli, mais bon. Ouais. Fait pour Hyper Valkyrie. Je sais pas. Hop. On va remettre notre... Donc, maintenant, on a toutes les Valkyries. Ici, c'est une zone de farm.
Est-ce que ça a un intérêt autre que le fait d'augmenter l'armure, tout ça? Peut-être, je sais pas. Est-ce que ça a un intérêt d'un point de vue histoire, d'un point de vue combat à débloquer, tout ça, sans me dire ce que c'est. Hein. L'armure Valkyrie manque de nullité pour ce type de jeu. Pas vraiment. Le point positif de l'armure Valkyrie, c'est qu'elle fait de la récup en plus, donc tu peux faire un peu plus de skills. Sympa. S'il y a trois brèches à faire ici, c'est vrai que ça te permet de finir toutes les brèches, je pense. Et les combats dans les failles, ouais. Ouais, mais ça, en fait, farmer, c'est sympa, mais en live, c'est un peu chiant, quoi. Donc, c'est pour ça. Ouais, pour améliorer les lames du chaos. Oh, mais je pense que la prochaine étape, on va aller placer les 8 Valkyries. Je pense qu'on va aller placer les 8 Valkyries. Ensuite, on va finir l'histoire. Et après, je verrai ce que je fais, quoi. Est-ce que si je vais... Ouais, est-ce que je peux aller au conseil et poser les casques et ça me fait pas faire un truc super long? J'aimerais faire une petite sauvegarde ici. Ça aurait été presque bien que je passe l'armure niveau 2 pour la garder, ceci dit, mais bon. Parce que là, il y a quand même une baisse de stats. Il manque pas grand-chose hein, pour la passer niveau 2. Hein. Ça aurait pu être intéressant. Tu poses les casques et tu sauvegardes, on va faire ça. Tant pis. On va la garder niveau 1. Attends, je peux au moins up 2 parties déjà. Alors, on va voir combien il manque. Je ne plaisante pas. Attention avec les brèches du royaume. Alors, protection du torse, ça me demande 20 000 de thunes. 1500 et... Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis dans fabriquer. Protection du torse, ça va me demander 2500, 6 étoffes et... Alors, soit j'augmente le torse où je gagne 2-2-4-2. Soit j'augmente ça où je gagne 2-2-2-1 et je peux le faire deux fois. 2000 et 2000. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ça, c'est magnifique. Voilà. Et on peut l'améliorer une troisième fois, apparemment. Fléouas, qu'on a déjà. Donc, enfin, j'imagine, je peux me tromper, que ça va demander un des trucs, vu qu'il y a trois défis. Peut-être que ça demande un des... Ah bah non, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'était la Valkyrie. Non, en fait, j'en sais rien. Voilà. Et ça, non. Ah si, Fléoas. Peut-être qu'on en loot 3 des Fléoas. Je pense que c'est ça. Voilà. Au pire, tu farmes hors live. Il faudrait que je puisse... Hop. Bon, voilà. Au moins, on a fait ça. C'est déjà bien. Il y avait autre chose ? On va remettre le pommeau de hache. Alors c'était L déchu, il y a des gens qui me disent que c'est pété. Je peux l'augmenter L déchu ou pas? Je crois que oui. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous appelle? Pommeau de hache. Non, c'est amélioré. Non mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça, je peux l'améliorer une fois. Assias gardien. Tiendra tout pouvoir Valkyrie à chaque élimination réussie qui augmente les runes. La force s'accumule à 3 fois. Oh non, mais c'est quand tu fais une élimination. C'est pas quand tu frappes, donc contre un fight de gros mob. Bof. Donc je vais garder mon ancienne. On va remettre ça. On va mettre, je crois que c'était celle-là. Chance modérée à chaque d'obtenir un coup de Valkyrie à chaque coup de Fandoir réussi. Un coup de Fandoir, c'est quoi? C'est un truc spécial ou... C'est quoi un coup de Fandoir? C'est le nom d'une attaque ou pas du tout? Ça c'est bon. Armure, on va remettre. Il est où? Invoque glissement de royaume qui ralentit momentanément. Tiens, je vais voir lui si je peux pas l'opé. Qu'est-ce qu'on recherche? Alors. Talisman. Ah, je peux pas. Oh, il manque de la thune! Peut-être des trucs à vendre. Vendre. J'ai rien à vendre. Puis, ressources. Qu'est-ce que je peux vendre? J'ai pas beaucoup d'or. Ça. Si j'en vends 20. Allez, on va faire ça. Allez.
Voilà, c'est bon. On va faire ça et ça. Devant Atreus, oui. Assiette gardien parfait. Fermé. Et là, pour le EP, qu'est-ce que ça demande? Il est déjà amélioré au maximum. Ah bah nickel. Prenez garde au drogard. Et du coup, est-ce que... Non, il n'y a toujours pas de slot par contre. Ça, c'est un peu moins bien. Mais bon, l'item est assez pété. On passe level 8 du coup. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, je pense qu'on est paré. On peut y aller comme ça. Hop. Je crois qu'il y avait un TP à côté. De... En vrai, je pense que c'est aussi long. Autant... Ah bah oui, non, c'est juste là. Pas assez cher, moi. Hop. Et comme ça, demain soir, le live sur Tezo, The Elder Scrolls Online, en compagnie de Bob et de peut-être Desastre, qui m'a laissé un message en me disant « C'est demain, du coup, le stream, donc il a l'air d'être disponible. Ça devrait être bon. » Et vendredi, je pense qu'on finit God of War. Pas le 100%, mais on va finir l'histoire et ce qui se passe après avec les... Non, je remets pas mon ancienne armure. Allez, dans le royaume, on veut aller Milgar, c'est ça. Il y avait bien un TP chez les Valkyries, oui, je pense. Puis elle est jolie cette armure, moi j'aime bien. J'avoue que j'ai quand même hâte hein, de voir ce qui se passe chez les Valkyries. Hein. Va falloir que j'attende 2 jours. Demain, ça commence à 21h. Oui, non, je joue pas sur PC, je joue sur PS4 parce qu'il n'existe pas autre chose. Enfin, sur PS4. PS4 Pro. Non, exceptionnellement, c'est ce jeudi, l'X-Fay Wolf, parce que Bob part en vacances. Non, je vais pas tester vite fait. Hein. Je sais ce qui va se passer. Alors, c'est où? Ça doit être là. Hop, ici. Tu peux tout poser, save et déclencher juste pour avoir. Tu seras pas déçu. Ah, bah mais non, ça va. Est-ce que je serai encore plus frustré derrière? Un test et un kill et Godot. Non, après, je vais vouloir avoir envie de fight, hein, selon ce que c'est. Ok. Donc, logiquement, on a déjà mis des homes de l'autre côté. Alors, quand on reconnaît... Ah, ça, on reconnaît. On peut leur parler, lui ? Non. Ça, c'est fait. Je vais me cacher. Ah, Gondul. Ah, j'avais plus de hache. Hein? C'est tout? La ravissante Gondul? Pas d'histoire ou quoi que ce soit? Oui, pardon. La vue de Gondul me laisse toujours sans... Gondul avait l'éloquence, l'esprit et un physique d'une telle splendeur qu'elle rendait littéralement les hommes fous. Odin finit d'ailleurs par lui interdire l'accès à Midgard, car la folie n'est pas une qualité appréciée au Valhalla. T'es fini ? T'es fini. Si Rota. C'est elle qui choisit les morts. Croyez que toutes les Valkyries faisaient ça? Pas exactement, petit. Même si c'est ce pour quoi elles sont connues et que c'est leur plus grande responsabilité. Tu as vu ce qui arrive aux morts sans le jugement des Valkyries? Les Éléens. Tout juste. Rota, Gunnar, Skuld. Si elles n'interviennent pas au terme des batailles,
elle, regorge d'âmes destinées au Valhalla. Un bien triste état de fait. Rota doit être furieuse. Que deux. Alors, Hildur, maîtresse des batailles. Odin et elle s'entendaient bien. Entre elle et les autres Valkyries, c'était une autre histoire. Elle passait le plus clair de son temps à Midgard, observant la discorde entre les mortels et la semant parfois elle-même. Elle ne vivait que pour le conflit. Pour certains, elle incarnait le conflit. Je me demande ce qu'il adviendra d'elle à présent qu'elle est libre. Olrun, jadis la fille d'un puissant chef, elle mourut en le défendant lors d'une attaque de pillards. Olrun fut escortée au Valhalla, où elle décida de vouer son éternité à la quête du savoir, par-dessus tout. Un comportement plutôt inhabituel au milieu des festins et des beuveries des occupants de la Grande Halle. Comment elle est devenue une Valkyrie ? Odin. Il se reconnut dans la quête obsessionnelle de connaissance d'Olrun. Il la nomma historienne permanente des Valkyries. Très bien. Alors, est-ce que ça a fait quelque chose ? On va sauvegarder. Hop, sauvegarder. Pourquoi je suis toute... Pourquoi je peux pas... Ah oui, c'est bon. Ah, et du coup, ici... Ici, il se passe quelque chose quand j'appuie. On se demande quoi ? On se demande bien ce qui se passe en appuyant ici. On se demande, hein. C'est une bonne question. Très très bonne question. Allez, on fait des bisous à tous ceux qui ont suivi cette VOD. Merci beaucoup pour la soirée et des bisous bien évidemment à tous ceux qui sont sur le live, mais vous aurez encore un petit after après la fin de la VOD. On se retrouve la prochaine fois avec... Appuie ou pas, vous aurez la réponse au prochain live exactement dans The Live vendredi soir. Vendredi soir, on saura ce qu'il y a derrière. Bon, je vous invite à pas aller vous spoiler sur internet. Gardez la surprise et comme ça, on verra un petit peu ce qui nous attend. Allez, des bisous. Et on se retrouve donc jeudi demain soir pour du Tezo avec Bob et Désastre. Et vendredi pour la suite de God of War. Et peut-être samedi sur un live Isaac. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao.